Mes parents étaient restaurateurs. Ils ont eu un restaurant pendant une bonne quinzaine d'années au nord de Mâcon, puis après sur Mâcon. J'ai grandi entre les casseroles de 1 an jusqu'à ma sortie de l'école. C'est vrai que tous les week-ends, j'ai toujours été avec eux en cuisine. Bah, c'est peut-être ça qui a motivé un petit peu le choix de carrière aussi. C'est ma 6e saison à la Chèvre d'Or. Qu'un endroit merveilleux. Avant, j'étais déjà avec Chef Arnaud à Chantilly, où on avait déjà passé deux superbes années ensemble. C'était une grande rencontre dans ma vie de cuisinier. Et voilà, j'ai pas peur de dire que c'est mon mentor et je suis très fier de l'avoir à mes côtés pour le Tétanger. On est dans une région où on a énormément de produits. Tous les produits de la Riviera, c'est les produits qui sont gorgés de soleil, donc c'est des produits qui sont agréables à travailler parce qu'on a tous les légumes, on a plein de petits maraîchers, on a la mer qui est juste en bas, où là on a réussi aujourd'hui à avoir des super thons, des thons rouges de Méditerranée, des espadons. On a la chance d'avoir de super producteurs, on a l'habitude de beaucoup échanger avec eux, ça peut être les légumes ou les poissons comme on a fait. On est vraiment une région qui est très riche aussi au niveau des herbes aromatiques. Ouais, c'est sûr que obligatoirement le lieu influe sur l'expérience chef. D'avoir la vie rythmée par la gastronomie, ça a obligatoirement un impact sur notre cuisine parce qu'on est beaucoup plus ouvert. On découvre beaucoup de choses en voyageant, en allant goûter chez les autres, en discutant avec les collègues du métier. Voilà, c'est des échanges de toute façon qui font un petit peu nos traits de cuisinier. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on se lance dans les concours. Un concours, pour moi, c'est pas pour me dire, me comparer aux autres, c'est plutôt voilà, me remettre en question déjà, beaucoup. Le Tétinger, c'est pas seulement un concours, parce que d'habitude, voilà, on concourt seul. Maintenant, on concourt aussi sous l'étiquette d'un pays, donc c'est ça qui me motive aussi, c'est représenter la gastronomie française un petit peu avec les autres, quoi.